Bonjour les Capricornes, alors pour votre mois de décembre, j'ai utilisé le sens de la vie et les cartes des anges. Donc la première carte qui est sortie pour vous avec le sens de la vie, c'est la carte du voyage. Cette carte vous dit, c'est une confirmation de ce que vous saviez déjà. Votre vie professionnelle implique de voyager. Vous pouvez être appelé à travailler dans des endroits très lointains, ou bien il peut s'agir aussi de l'expérience d'un grand voyage qui vous changerait et vous ferait faire un pas en avant vers votre vocation. Comme un troubadour, vous apporterez des bienfaits partout où vous passez. Cette carte, elle parle aussi de mouvement au sein de votre vie, de changements aventureux qui donnent du piment à votre existence et qui sont en train de se dérouler ou qui auront lieu dans un futur immédiat. En abandonnant tout ce qui est derrière vous et en utilisant ce tremplin vers le changement, votre vie reprendra tout son sens et vous retrouverez l'épanouissement que vous désiriez. Cette carte dit aussi que votre objectif vital implique la technologie, spécialement en matière d'ordinateur et de télécommunication. Cela pourrait signifier travailler dans le domaine de l'informatique ou des médias, ou chez vous, depuis votre ordinateur, ou sur un ordinateur, ou cela pourrait littéralement signifier programmer des ordinateurs ou travailler dans la vente de ceux-ci, etc. Avec les cartes des anges, l'ange qui est sorti pour vous, pour votre mois de décembre, c'est Seiya. Dieu donne sa chance à chacun, à chaque instant. Alors cet ange conduit l'énergie cosmique, ceci nous permet de vivre des moments magiques. Il est temps de mettre en valeur votre intuition qui vous indiquera les bonnes solutions. Prenez toutefois garde à vous protéger des mots et des actes qui sonnent bien mais qui sont employés à de mauvaises fins. Cet ange vous dit pour décembre, faire quelque chose que vous aimez particulièrement faire et occupez-vous de quelqu'un qui en a particulièrement besoin. L'ange Seiya protège des accidents et de la rigueur du destin. Il aide ceux qui implorent à résoudre leurs conflits. Donc les Capricornes, pour votre mois de décembre, je vous invite donc à demander Seiya et à répéter, à dire donc cette affirmation, cette prière. En moi brûle un feu étincelant dont les flammes s'élèvent. Voilà donc pour les Capricornes pour votre mois de décembre. Je vous souhaite un très bon mois et je vous